Succès total pour l'édition 2017 du Ngondo, célébré à Douala sous le thème Moyen Pété. Ce grand rendez-vous de la culture Sawa s'est achevé sur les berges du Vouri ce 3 décembre par la traditionnelle messe de l'eau. Présidée par le ministre de la Justice, représentant personnel du chef de l'État, la clôture du Ngondo 2017 a connu la participation des autorités traditionnelles Sawa, des autorités administratives, politiques et de plusieurs partenaires de culture étrangère. Une occasion pour le président sortant de dresser le bilan de son mandat de 2 ans. Il y a 2 ans, sur ce même site, le peuple Sawa m'avait confié les destinées de cette prestigieuse assemblée séculaire. 2 années en qualité de président du Ngondo furent deux années pleines, 2 années de labeur qui m'ont personnellement enrichi et j'espère aussi notre assemblée traditionnelle. Avant d'écouter le message des ancêtres axé sur la solidarité, les invités venus nombreux ont assisté à la finale de la lutte traditionnelle remportée par le canton Bélé Bélé. La course des pirogues remportée par le canton Bonangandakwa a été précédée par la présentation du nouveau président du Ngondo, Sa Majesté Madiba Songhai, chef supérieur du canton Bakoko. Après la remise des trophées, le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.